Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Les Petits Anges Éclairs. Je suis ravie de vous retrouver pour vos tirages sentimentaux du mois de janvier que nous allons faire en deux temps. On va commencer par les béliers déjà, enfin on va pas commencer, on va continuer les astros par les béliers. Voilà, bélier, signe ascendant, lunaire, solaire. On va aller voir votre tirage astral sentimental pour ce mois de janvier qui débute tout juste vu que nous sommes le premier. Prenez vraiment que ce qui vibre en vous. Ce sont bien sûr des messages généraux, donc c'est pas fait. Tout ne peut pas forcément vous correspondre. Hein, pour avoir des messages particuliers, il faut demander des guidances privées. Vous avez mon lien normalement en fin de vidéo, mon adresse mail. Si vous ne savez pas, faites-vous confiance. Si je parle d'une personne et que vous pensez à cette personne, c'est qu'en général, c'est la bonne personne. Voilà. Faites confiance à votre guidance intérieure toujours. Et pour terminer, vous pouvez aussi demander à votre corps. Des fois, on a du mal à savoir si c'est pour nous ou pas. Je vous donne une petite technique. Vous vous mettez debout, tout simplement. Vous pensez à la problématique ou par exemple, je veux dire, j'en sais rien, moi, cette personne pense à vous. Vous ressentez que c'est pour vous, mais vous n'êtes pas sûr. Vous vous mettez debout, vous lâchez le mental et vous dites, est-ce que cette information est faite pour moi? Si votre corps part en avant, c'est que c'est un oui. S'il part en avant, c'est que c'est un non. Et notre corps ne nous ment pas, tout simplement, car il est pure énergie aussi. Voilà les petits loulous. On est parti, on va aller voir pour vous quels sont les messages au niveau sentimental pour cette première quinzaine de janvier pour les béliers, signe ascendant, lunaire, solaire. J'aimerais des messages, s'il vous plaît, au niveau sentimental. Waouh, l'impératrice, ça commence bien. Donc, on me parle de communication dans un premier temps. Là. On me parle de communication, on me parle d'être ancrée, on me parle du féminin sacré. L'impératrice, c'est la femme, le féminin par excellence. Je suis navrée, mais je vais remettre ça droit, sinon ça va vraiment me perturber. Tac. Voilà, j'aimerais bien que vous y voyez. Le mieux possible. Voilà, là, je m'y retrouve. Ok. Donc, l'impératrice nous parle de communication, nous parle d'ancrage, nous parle de féminin sacré, nous parle de communication avec une personne, communication à l'intérieur de vous. Ça me parle aussi de suivre sa guidance intérieure. C'est le chiffre 3, c'est aussi un chiffre christique. Donc, on est vraiment guidé là pour ancrer quelque chose de stable. Ça peut très bien être vous si vous êtes une femme, l'impératrice. Waouh! On nous parle du 4 de bâton, on nous parle de Marion, non, pas du tout. On nous parle de mariage, on nous parle d'engagement, on nous parle d'une situation qui va être stable. C'est comme les quatre pieds d'une chaise, si vous voulez, le 4 de bâton. Là, ça me parle d'engagement, s'engager avec soi-même, s'engager avec une personne dans un tirage sentimental. Ça nous parle d'engagement, d'une relation sérieuse. Le 4 de bâton, c'est le mariage, normalement. Le mariage et l'engagement, voyez, avec le côté feu, le côté passion, quelque chose qui fait vibrer notre cœur. Avec l'impératrice, on a vraiment cette notion de une femme qui va vers un mariage, quoi, clairement, hein, ou une polarité féminine. Il y a quelque chose qui nous prend la tête, qui nous empêche de dormir, là. Quand on est dans un 9 d'épée, on est dans le mental. Alors, pourquoi? Vu que là, on a l'engagement à côté, on a le mariage. Peut-être est-ce un mariage qui vous stresse à venir, un engagement qui vous stresse à venir, la notion de s'engager qui peut vous stresser aussi. Cette notion d'être un petit peu dans ces peurs, là. Il y a des peurs, il y a des angoisses nocturnes, on n'arrive pas à dormir. Il y a quelque chose quand même qui nous stresse. Avec un 9 d'épée, on n'est pas bien en général, hein. On a trop de mental qui viennent là. Alors, pourtant, le tirage commençait très bien. Donc, on va les compléter après. De toute façon, le battleur, vous avez encore une arcane majeure. C'est pas rien. Il y a beaucoup de choses qui se règlent pour vous ce mois-ci au niveau sentimental. On vous parle d'un nouveau départ. On vous parle d'avoir toutes les cartes en main. Le battleur nous manque la terre avec laquelle il est ancré, l'infini et le ciel. Il y a vraiment cette notion de continuité, d'alignement. Il a une coupe, un denier, un bâton où là, il a toutes les cartes en main pour réussir à matérialiser ce qu'il veut. Aller dans un nouveau départ, il y a quelque chose d'aller vers quelque chose de nouveau en fait. On a les regrets en d'autres decks quand même. Hein. Donc, une situation qu'on regrette, peut-être une personne qu'on a laissée derrière qu'on regrette, peut-être des histoires du passé qu'on regrette, j'ai aussi l'introspection. Donc, on va aller compléter tout ça avec le Lightseer Tarot pour aller voir un petit peu qu'est-ce qu'on nous dit pour vous les béliers, signe ascendant, lunaire, solaire. Je suis curieuse de voir pourquoi on a un 9 d'épée au milieu de tout ça et le regret à la fin. Quand on regrette, on a du mal à voir les opportunités qui s'offrent à nous, vous voyez. On est concentré sur un passé, en fait. Peut-être que vous regrettez un mariage qui s'est terminé aussi, ça peut être ça. On va aller voir. Qu'est-ce qu'on nous dit sur l'impératrice, s'il vous plaît, au niveau sentimental pour ce mois de janvier, cette première quinzaine de janvier?
pour les béliers, signe ascendant, lunaire, solaire. Alors, quels sont les messages? On nous parle d'un 10 de pentacle quand même. Le 10 de pentacle, c'est l'abondance, le bonheur en famille. Vous voyez, on va faire quelque chose de très familial, où on est vraiment dans quelque chose de, où on partage, on va ouvrir. Et en plus, on est dans l'abondance. Donc, le côté abondance, mais abondance... partage pas uniquement de matériel. Les deniers, c'est la terre. C'est une abondance qui est ancrée. C'est quelque chose qui est solide. Vous voyez, ça va être un couple, quelque chose qui est solide. En tout cas, c'est ce que veut cette impératrice dans ce tirage-là. Donc, ça peut vous correspondre à vous, la personne en face de vous. Là, j'ai vraiment le sentiment que c'est vous. C'est vous qui êtes dans la communication, qui voulez un engagement, quelque chose de solide. Alors, on a encore le 10 d'épée, hein. On nous parle de se relever de ses blessures d'âme pour aller vers un engagement. Peut-être qu'on a peur, peut-être qu'il y a une personne qui arrive à vous et que vous avez peur de vous engager avec cette personne parce que là, vous avez été blessé et vous vous relevez tout juste de ces blessures. Il y a quelque chose qui a été compliqué pour vous. Ça peut être aussi avoir été mise à terre dans un mariage, dans des engagements précédents en fait. Et du coup, ça vous fait peur, ça vous prend la tête, ça vous met dans une situation où vous n'êtes pas bien pour aller vers un nouveau départ, peut-être avec une nouvelle personne. Pourtant, vous avez le 6 de bâton, vous avez la réussite. Hein. Vous allez réussir à transcender ces peurs, ces insomnies, peut-être une notion de dépression passagère. J'ai l'impression qu'on est un peu nostalgique du passé, là. Il y a des... C'est pas nostalgique, c'est réticent par rapport à nos histoires du passé. C'est comme s'il y a quelqu'un qui arrive à vous, là, une nouvelle personne. Il y a des choses qui peuvent être très, très belles dans ce tirage. On vous dit que vous allez réussir à dépasser votre mental, mais votre mental vous fait peur, en fait. Votre mental vous ramènerait peut-être au passé en vous disant « Attention, méfie-toi, voyez. » Et vous avez du mal à avancer dans cette nouvelle voie. Sur le battleur, est-ce que je pourrais avoir des compléments? La tempérance. On vous dit qu'il va vous falloir du temps et qu'il faut... il faut réussir à être stable à l'intérieur de vous, à l'intérieur de votre cœur aussi. C'est ça la tempérance, d'accord? Cette notion de pouvoir se, voilà, calmer le feu avec l'eau. Vous voyez, on a un peu cette notion de garder cet équilibre et de prendre le temps, de faire les choses patiemment, pas à pas, d'accord? Derrière, on a encore un 5 d'épée. Il y a beaucoup de 5 dans votre tirage. Donc, des conflits, des prises de tête, il y a des blessures qui sont là. Peut-être qu'une personne vous a blessé ou en tout cas, il y a quelque chose qui vous a blessé, je ressens. Ok. On va aller voir ce qu'on nous dit avec avec l'oracle des miroirs. Et ensuite, on ira voir avec les cartes sentimentales. Qu'est-ce qu'on nous complète avec l'oracle des miroirs pour vous, les béliers, au niveau sentimental? Oh, regardez, on vous parle de l'amour. Hein. Il y a un amour qui est là en ce début de mois. Hein. Alors moi, je suis curieuse de voir comment ça va se décliner derrière. Parce que là, si on regarde en début de cette quinzaine là, on a l'impératrice qui est ancrée, qui est dans la communication, qui parle, on a le 10 de denier, le partage en famille, c'est l'abondance, tout va bien, on a l'amour, donc on a tout ce qu'il faut. Alors sur le 4 de bâton, il dit 10 d'épée, alors qu'est-ce qu'on peut nous dire là? On nous parle d'un voyage, on nous parle de regarder plus haut. Là, ça peut nous parler lors d'un voyage, il va peut-être avoir des blessures lors d'un voyage. Ou alors, on va être mis face à des peurs. J'ai l'impression que vous êtes plus mis face à des peurs. Vous vous relevez de peurs, d'anciennes peurs, en fait. Mais là, pour moi, vous trouvez la bonne personne, hein, les béliers. Hein. Il y a quelqu'un qui va rentrer dans votre vie, ou c'est vous par rapport à votre cœur, mais il y a quelqu'un qui va rentrer dans votre vie. Pour moi, là, ça va être très stable. Elle va peut-être vous permettre aussi de guérir de blessures de cœur. Vous pouvez rencontrer cette personne lors d'un voyage, ou tout simplement, vous allez prendre de la hauteur avec cette personne. Vous n'allez pas vous précipiter. Vous allez voir les différents choix qui s'offrent à vous. Vous allez prendre le temps. Vous voyez, vous avez d'ailleurs le choix et cette décision qui est là. Vous allez faire le bon choix pour vous, là. Vous allez faire le bon choix et pour moi, vous allez choisir l'amour tout simplement, hein, et la bonne personne pour vous. Vous allez sortir de vos peurs en fait pour aller dans votre réussite et prendre le choix qui vous correspond au niveau sentimental. Mais vraiment celui qui vous correspond à vous, d'accord? Là, on a vraiment avec l'amour cette notion de cœur et où on se recentre à soi. Vous voyez, j'ai encore la femme, la polarité féminine. Alors... soit on vous dit vous êtes une femme, vous avez toutes les cartes en main, soit vous avez toutes les cartes en main pour aller conquérir une femme, même s'il vous faut du temps, voyez. Le féminin, la carte de la femme, c'est aussi le féminin sacré, voyez. C'est aller de l'avant, vous allez de l'avant vers une nouvelle personne, dans quelque chose de nouveau, en écoutant vos intuitions, votre guidance interne, regardez. Donc même si ça va...
Même si vous allez être face peut-être à des regrets du passé, des prises de tête, j'ai l'impression que vous allez être en conflit. Pour moi, vous rencontrez une nouvelle personne, mais il y a eu des trahisons dans le passé, vous voyez. Et là, il y a une personne qui veut s'engager avec vous. Mais vous êtes un petit peu frileux parce que vous avez vécu dans le passé certaines choses qui ne sont pas forcément top, top, top. Et là, ça va être compliqué pour vous de réussir à aller vers vous, en fait. Vous voyez? C'est croire encore que c'est possible, que cette personne ne va pas forcément vous trahir, vous voyez. Et ça, il va y avoir un petit peu des réticences pour vous, les béliers. Mais vous allez y arriver. Vous allez y arriver, vous allez faire le choix, le bon choix pour vous, tout simplement. Vous allez vers quelque chose de très beau, hein, parce que quand on a l'ouverture, c'est une relation qui s'ouvre, qui était destinée, hein, vraiment. Mais c'est comme si ça allait être trop beau pour être vrai. Alors, il y a votre mental qui va prendre le dessus. On va aller voir avec l'améthyste Love ce qu'on nous dit. Ouais, vous voyez, on nous parle du passé. Il y a le passé qui retombe. C'est pas pour rien parce que je ressens le passé depuis le début. Et là, le passé va venir un petit peu vous faire douter d'une nouvelle relation. Pourtant, on vous dit qu'il y a des changements, il y a une nouvelle relation qui arrive, il y a quelque chose de nouveau, une belle transformation, d'accord? Et on vous dit que ça vous donne des ailes, mais il y a cette espèce de peur des expériences du passé qui revient là, d'accord? Avec le printemps, on vous parle d'un nouveau départ, d'un nouveau cycle, avec le 1 aussi. On vous dit que vous allez vers un nouveau cycle romantique, peut-être avec un bélier comme vous, taureau, gémeaux, ou pour vous, clairement, vous allez vers un nouveau cycle. Il y a cette notion de printemps, de faire renaître quelque chose de waouh, magnifique, regardez. On vous dit d'être à l'écoute de votre spiritualité, de vos intuitions par rapport à cette personne. C'est typiquement le féminin sacré, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Et là, on vous dit que vous allez vers un happy end, d'accord? Donc, il y a quelque chose qui va se finir de façon très joyeuse, très, très, très cool. En plus, on vous dit qu'il y a une nouvelle rencontre qui est à venir. Pour certaines personnes, il peut y avoir des réconciliations avec des personnes du passé. Ça peut être ça. On va aller voir les conseils pour vous, les béliers, là. Quels sont les conseils pour vous au niveau sentimental pour la première quinzaine de janvier? Le valet de coupe. Le valet de coupe, on vous dit d'être à l'écoute de votre âme et de votre cœur. Voilà, si une personne arrive à vous, au lieu d'avoir peur ou de vous dire oui, c'est tous les mêmes, écoutez votre guidance intérieure. Qu'est-ce que votre cœur va vous dire? C'est le fait d'être fidèle, fidèle à vous-même aussi, vous voyez? Avec le pendu, on vous dit de garder cette clairvoyance parce que le pendu est peut-être bloqué, mais peut-être que vous allez bloquer. On vous dit peut-être de ne pas vous précipiter, de faire les choses calmement, de prendre le temps d'y voir clair dans une situation, de prendre le temps de faire le clair dans votre tête par rapport à ça, de sortir des regrets du passé, de sortir de ce conflit interne que vous avez dans la tête. Vous avez besoin de prendre le temps d'écouter votre guidance intérieure, là vraiment, parce qu'au fond de vous, vous savez que c'est la bonne personne. Donc, il faut aussi vous faire confiance, mais vous avez peut-être juste besoin de temps. Et c'est OK, il faut prendre ce temps-là. Là, on a le 7 de deniers qui va nous parler de pouvoir récolter les fruits de notre travail. Vous voyez, vous avez beaucoup travaillé sur vous, vous avez travaillé sur votre mental, sur vos peurs. On vous dit qu'il est temps d'accepter aussi. Le 7 de deniers va nous dire qu'il est temps d'accepter de recevoir et de recevoir l'amour de la bonne personne aussi. Parce que des fois, on voudrait une personne dans notre vie, mais on n'est pas forcément prêt à recevoir. Et là, on vous dit qu'il est temps de recevoir, que les choses peuvent aller très vite. Il y a quelque chose qui peut se dessiner rapidement pour vous, un nouvel amour. Mais la temporalité va dépendre un peu de vous. J'ai l'impression que c'est vous qui mettez un peu des freins et c'est OK si vous mettez un peu des freins. C'est que vous avez besoin de faire ce travail à l'intérieur de vous. Regardez, on vous conseille d'aller vers ce nouvel amour. L'as de coupe, c'est l'amour, la passion. Voilà. Juste derrière, j'ai la mort. Donc la mort, c'est la transformation, c'est laisser mourir ce qui ne vous correspond plus aussi. On est sur ce dossier-là au niveau de la mort. Hein. On va aller voir quel est le conseil des petites sirènes pour vous, à tous mes êtres de lumière, mes anges, mes archanges. Qu'est-ce que les petites sirènes peuvent me dire pour vous, les béliers, au niveau sentimental? Allez, à tous mes êtres de lumière, mes anges, mes archanges. Ah. La sagesse du corail, colonie, délicatesse, fragilité, œuvre créée sur des longues périodes. Vous voyez? Il y a cette notion de prendre le temps pour construire quelque chose sur le long terme. C'est quelque chose qu'on ne va pas créer, ce n'est pas une relation qui va être éphémère. On est sur une nouvelle rencontre qui est de l'ordre de la destinée, c'est un nouvel amour. L'as de coupe, c'est l'amour en toute puissance, c'est un 1, un nouveau départ. Vous avez le 1 aussi, vous avez des chiffres de stabilité, là tout le monde du tirage. Mais cette dualité entre je doute au niveau de mon cœur parce que ma tête doute, j'ai peur de revivre mes blessures d'âme. Pourtant, on vous dit
Prenez le temps de faire les choses avec sagesse, calmement, retournez à vous. Prenez de la distance pour être sûr de vos choix. Vous verrez que c'est la bonne personne pour vous. Faites confiance à votre âme, tout simplement. Voilà. Il y a cette notion aussi d'être ancré pour y voir plus clair. Voilà les béliers, j'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à activer les notifications, à mettre un petit abonnement si ça vous a plu. Vous pourrez suivre comme ça la communauté. Le lien pour faire des dons de la cagnotte est sur sur la banderole de ma chaîne. Normalement, il y a un QR code, c'est le lien pour tous ceux qui me demandent. Moi, je vous fais des gros bisous et je vous retrouve pour la prochaine quinzaine. Bisous, bisous. Ciao, ciao.